Alors là, quand je vois ce qu'on a vu, ce qu'on a fait comme route là, le cirque de Navacelles, oui. C'est quand même magique. Ça, c'est la première fois qu'on va pêcher la vis. Ça fait des années que j'en entends parler. Alors après, c'est des poissons qui sont quand même très éduqués, hein, c'est des parcours pêchés. Et d'après ce que m'a dit Léo, le guide. Léo était notre formateur pour l'académie, qui est guide ici sur toutes les Cévennes. C'est vraiment technique, il va falloir qu'on aille doucement. Une ride sur l'eau, c'est les poissons, ils se barrent. Mais après, ils ressortent, c'est ça l'avantage. Donc, c'est vrai que... Le site est magnifique. Et puis regarde-moi ça, là. Regarde. C'est magique. Pêcher dans des cadres comme ça, là, t'as pas envie de partir à l'étranger. Hein. Et ça, c'est la France. Là, quand même, et ça fait vraiment des années où je voulais venir pêcher ici. Toi, c'est vraiment magique. Hein. Après, on va voir comment ils sont coopératifs. Tu regardes les truites en bordure. Regarde juste en bordure. Ouais. Ouais. Pas des gros poissons, mais c'est intéressant. C'est vraiment une très belle pêche comme ça. Allez. On monte une canne en nymphe, une canne en sèche. Comme on fait souvent d'ailleurs. Quand le soleil sera plus monté, on aura du soleil en face, où il doit y avoir les plus gros poissons, je suppose. Tu attaques? Allez, je commence. On a le choix. On voit plusieurs poissons qui sont en poste. Par laquelle on va commencer? Moi, je pense qu'il faut déjà que tu restes un peu dans l'ombre. Oui. Toujours favoriser l'ombre et essayer d'attaquer. Oui, tu as de l'ombre suffisamment. Je vais peut-être prendre celui-là. Tiens, celle-ci-là. Oui. Il y en a une belle là au milieu. Hein. Ouais, c'est plus beau. Là, tu peux la faire en revers. Hein. Ouais. Ah ben. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'ils sont habitués ici, les poissons. T'as vu l'impact? Elles sont pas folles. Hein. Oui. Ouh là là. C'est électrique. Hein. C'est électrique. Mais bon, je pense que plus haut, ça sera plus favorable. Parce que là, il y a quand même du monde qui doit passer en permanence pour traverser la rivière comme là, comme ce qu'ils viennent de faire là. Vers le plus gros caillou qui est un peu doré là, un mètre avant, un poisson. Tu vois le plus gros caillou dans. Voilà, un mètre avant. Non, attends, je vois pas. Tu vois le plus gros caillou Un peu jaune. Qui fait 15... oui, ah voilà. Oui, ouais, ouais. Très bien. Tu vois, c'est pas des gros poissons. Mais par contre, les coulines, ils sont techniques. Hein. Tu vois à quoi elles ressemblent? Elles sont bien zébrées, hein, Jean-Claude. C'est joli hein, comme poisson. Moi, j'ai vu une truite plus bas, là. C'est pas mal. Tu vois celle qui est vers la touffe d'herbe au milieu? Oui. À gauche de la touffe, 1 mètre, 50 centimètres. Oui, je la vois. Attention aux arbres derrière. Hop. Bravo. Et t'as vu, petite animation, mais très très fine. Très très fine. Ah oui, à mon avis, c'est une rivière où il faut, contrairement à ce qu'on pêche habituellement, animer, mais vraiment, c'est une animation où tu dois juste décoller la mouche, la nymphe. Et t'as vu, elle a détecté à plus d'un mètre, 1,20 m. Et c'est là qu'il faut avoir les réflexes du ferrage au bon moment. Exactement. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. C'est elle là s'est arrêtée. Elle a frissonné. Elle s'est arrêtée.
Voilà, maintenant, Jean-Marc, il va falloir faire une en sèche. Hein? Donc, tu vas prendre ma place. Oui, il me semble que ça a gobé vers la grosse pierre. Justement, à droite. À droite de la grosse pierre. Lancée courbe. Tu fais attention aux arbres derrière, hein, là, parce que... Par contre, c'est vraiment une rivière, il faut faire les sioux. Hein. Pour le moment, j'y vais doucement, j'y vais en palier parce que... Ouais. Jean-Marc, il y en a une qui a gobé. Oui, dis-moi. Tu vois en face la touffe d'herbe qui est dans l'eau. Au soleil, là-bas? Ouais, au soleil. Oui. Dans le noir, donc 1 mètre 20 avant, dans notre direction. Ouais. Et ça avait l'air d'être un beau poisson. Ah bien, bravo. T'as vu, que la discrétion. On va se faire plaisir parce que c'est... si on monte comme ça, regarde déjà 3 poissons en rien de temps. Et toi, c'est déjà plus joli. Enfin, plus joli, on reste encore des petits Combien? Poissons, mais quand ils vont sortir... Ah mais c'est joli comme poisson, ouais, ça. Moi, j'adore. Oh là 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 là. C'est... Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va se faire plaisir. Là, tu es dans la vraie pêche à la mouche, quoi. Jean-Marc, il y en a une jolie. Je la vois, à la limite du soleil. Sur le soleil, donc... Dans le... À droite, donc, cette fois-ci. Oui. Ouais. Mais il faudrait peut-être la faire en nymphe. Elle vient de naffer. Elle va venir prendre. Elle est venue voir. Mais je draguais. T'en as une autre qui a gobé là-bas. Oui, j'ai vu, oui. Ouais. À la limite des saules. À la limite du saule, là. Toi, le plus dur, là, c'est de voir la mouche. Tu sais même pas où elle se pose, ah bah parfois. T'as intérêt de bien connaître ton lancer, là. Bravo! T'as mis combien de pointes? Là, je suis long. Je suis à 1m80, voire 2m de pointe. Là. Ah oui. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, il faut une Donc discrétion tu peux te pas te permettre, possible. Ouais. C'était une discrétion totale. Hein. Ah oui, t'as vu La progression. Elle a marsouiné. La progression. Elle a marsouiné, juste ouais, ce qu'il fallait. Là, il me semble qu'il y en a une qui a gobé, mais à ras de la bordure. Hein, Jean-Claude? Oui, j'essaye de visualiser, mais je ne la vois pas. Là, avec la longueur du bas de ligne, pour arriver à la précision, ça va être... Ah oui. Je vais y aller doucement. Oula, t'es dans l'arbre. Hein. Et merde, tu vois, c'est ce que je craignais le plus. T'as cassé. Non, je crois pas, si. Si. Tu as bien cassé, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça pardonne pas, par contre, hein, la longueur. Hein. L'arbre là-bas. Et là-bas, oui. Ça saute à cœur. Hop. Tu vois, elles sont vraiment en émergence, dessous. Elle a pris dessous. Hein. Dessous. Beaucoup de lignes.
Et très, puis, très beau, très, alors, très beau. Moi, j'adore quand j'ai des pics comme ça, quand c'est des petits poissons. Comme ça, tu leur fais pas mal. Juste une petite touche. Exactement. Ah, t'as vu ? Je t'ai eu. Ça, c'est parfait comme ça. Eh bien, écoute, moi, je pense que on va quand même prospecter un peu plus. On va monter tout doucement. Tout doucement. Il y aura moins de monde. On aura des poissons encore plus éduqués. Enfin, pas plus éduqués, mais qui seront mieux en poste. Et je rêve, Jean-Claude. Hein ? C'est un paradis ici. Hein. C'est un paradis. Mmh. Tu sais ce que ça me rappelle ? Quand on avait 18 ans, qu'on avait pêché le brevent de Bellevaux. Le brevent de Bellevaux. On se mettait dans l'eau sur à 10h jusqu'à 10h du soir à peu près. Et on se faisait 50-60 poissons qu'en petite rivière comme ça. Ce n'était pas des gros poissons, mais on s'éclatait quand même. Tu sais ce qu'on va faire ? On va sauter cette partie-là et on va se mettre en difficulté sur le plat là-bas. Ah oui, parce que là, c'est sûr qu'on pêche en sèche ici, on va... Ouais. Toi, je crois que c'est un parcours, il faut te mettre en position et puis plus bouger. Une qui a gobé là, j'ai vu un poisson qui s'est déplacé à gauche. Mais bon, ils sont pas fous, hein. Là, il y a celle qui est à faire en nymphe là-bas. Maintenant, elle vient de rentrer en... Tu regardes. Elle vient de chasser. Au soleil. Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois qu'elle fait ? Elle véronne ou... Ben, j'ai vu des truites véronner plus bas déjà, là. Donc celle-là, on va voir son comportement, mais... Regarde là. Je la vois. Elle part. Elle véronne ? Il faut y aller tout de suite. Monte pas plus. Ah ouais. Parce que là, elle nous a pipé. Elle nous a pipé. Non. À mon avis, non. Il faut attendre. C'est un beau poisson. Elle descend. Elle descend. Oui, non, elle revient. Elle revient dans le soleil. Elle est. Oui, toi, elle revient. Elle revient. Elle véronne. Elle véronne. Elle véronne. Attention. Attention. Dès qu'elle se calmera. Voilà. Oh, je lui ai enlevé de la gueule. T'as ferré trop vite. Ouais. Faut mieux changer ta nymphe. Tiens. Non, je ne change pas de nymphe. C'est des poissons différents. Je veux pas m'amuser à changer de nymphe. Mais... Toi, c'est pas le comportement des truites, par exemple, comme sur la loupe en Véronne, qui sont quasiment infaisables en nymphe. Elle continue à véronner là-bas. Par contre, tu seras peut-être pas assez plombé pour là-bas. Si, mais elle monte, elle nymphe. Hein. Ah, tu veux dire qu'elle monte nymphée ? Ouais. Attends, je la vois pas. Passage. Voilà, je la vois, elle est remontée. Non. Elle vient. Attention. Bravo. Bravo. T'as vu, c'est vraiment que l'étude du poisson. Attention. T'as vu ce côté de comprendre tout ce que le poisson va faire. C'est ça qui est agréable. Eh ben, je vais la casser. Hop là. Et ça, c'est des beaux coups de ligne. Et tu vois, c'est que la discrétion. D'être opportuniste, rapidement, analyse. Je t'avais dit que je la casserais. C'est ça qui est bien. C'est trop beau. Bah écoute, t'as été un peu gentil avec elle. Bah oui, mais j'avais peur qu'elle te vienne dedans. Ah oui, mais t'aurais pu la brider tout de suite après. La deuxième. C'est toi qui fais à manger, puisque c'est la loi.
is flying back to you. Elle est jolie cette rivière. Hein. C'est merveilleux. Puis sur ce site, regarde. Ah oui, mais toi, on était venu il y a 3 semaines, un mois là. Un mois, oui. Et elle était quand même beaucoup plus haute que ça. Bah, 2 fois plus d'eau, je crois. Là, cette largeur comme ça, avec tous les coups pour pêcher en sèche et puis en sèche nymphe à vue sur les bordures. Oui, bah, on a vu 1 ou 2 poissons en bordure là. En descendant, oui. Et donc, elle est quand même un tout petit peu chargée en. Ah oui, elle est. C'est peut-être les orages des derniers jours. Non, c'est le coloris de cette rivière. Ah oui. À la rigueur, plus tu descends, plus elle peut être claire. Ça, elle se dépose. Elle décante. Ouais. Elle décante. Et quand même, c'est des sacrés paysages quand tu vois les villages comme ça en haut là. Ça fait quand même très sauvage, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On peigne un petit peu ce courant. On sèche. Hein, on sèche et puis tu après on passe. Tu vas mettre quoi? Un petit sedge? Un petit sedge ou une P15, toi. Oh, il y a un joli poisson là, à 5 mètres. Ah oui, je le vois d'ici. Ah, c'est un beau poisson. Jean-Marc, tu essayes laquelle là? Ah, je vais essayer à gauche. La gauche, voilà. T'as raison. Voilà, là. Là, elle est dans la pellicule, ta bouche. Oui, on la voit pas. Ouais. Mais tu verrais le gobage. Ben, normalement, oui. J'ai vu le poisson bouger dessous, mais je sais pas si j'étais. Ouais, il pourrait venir, il faut que j'y aille plus à droite. Elle est toujours. Ouais. Tu poses juste à gauche d'elle, à droite d'elle. Et merde. Ouais. T'as de la chance que ça n'a pas fait partir l'autre. Je crois que c'est l'autre qui revient en position. Je peux en essayer une en nymphe là? Vas-y, vas-y. Parce que je la vois. Par contre, fais pas tes faux lancers sur le poisson parce que. Attention. Un peu tendu. Loupé. T'as vu, t'as laissé passer. Hein. Oui, j'ai pas enlevé la nymphe. Hein. Hop, elle s'est remise. Là, je suis bon. Je l'ai. Bravo. Ouais, je vois les plus petits poissons dans l'eau, toi. Oui. Ouh là là, dis donc, la pêche, dis donc. Là, comme c'est des zébrures avec des points rouges. Magnifique. Regarde là, elle part. Par contre, ça c'est un genre de parcours, tu peux y passer la journée dessus, hein, les 100 mètres là. Ah oui. Et ils sont encore pas trop farouches quand même, parce qu'on les attaque pas loin. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais en voir une en bordure là-bas? Oui, mais en fait, si elles sont dans l'ombre, tu les vois pas. Il faut attendre que le soleil monte encore un peu. Et encore, je pense que tu as toujours de l'ombre sur les bordures. Toi, là-bas, dessous les gros arbres, là-bas. C'est joli pour un beau poisson. Il y a eu un gobage d'ailleurs au pied de l'arbre. C'était petit, de toute façon. Avant de monter, Jean-Marc, hein, oui. Tu longes plus les rochers là-bas. Il peut y en avoir une justement dans le. Mais vraiment. Thank you.
refus. J'ai creusé un peu plus loin là-bas. Ouais. Bravo, que c'est beau ça. Ah, oh, je suis super content. T'as vu la patate? C'est toi, je l'ai posé à côté, elle est venue par travers la chercher. Là, j'avoue, par contre, je la voyais plus grosse là, toi. Et il mange, hein. Ouais. Ah oui. Enough. Et là, tu as vu, il est parti sur la gauche pour manger. Et ça fait deux fois sur la gauche. Oui. Donc il faut que tu passes à gauche, où il y a le moins d'eau. Oui. Tu devrais presque l'attaquer d'ici. Allez. Soyons fous. On pose que la pointe. Oui. On verra si elle vient sans l'impact. Là, soit pas trop haute. Ah oui. J'attends que elle bouge. Là. Là. Hop, 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 hop. Non, elle est venue, elle est allée prendre quelque chose. Elle vient. Hop, bravo. Toi, elle te laisse passer, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait ça. Hein. Absolument. Il faudrait presque faire une lamination quand la nymphe passe légèrement à droite ou à gauche du poisson. Toujours le même gabarit, avec cette très belle couleur. C'est avec quelle nymphe, Jean-Claude ? Celle que tu m'as donnée tout à l'heure. La JBNT 54, oui. En hameçon de vin. Moi, j'ai un poisson là, devant moi, là. C'est pas un gros poisson, mais... Quand elle l'a tenté, mais... Oula, ça a été... elle n'a pas aimé. Elle a bien nymphé là, celle-là. Pas bien. Oh, elle vient, elle va venir. Bravo, ben, tu vois, il faut jamais perdre espoir, Jean-Marc. Hein. Là, j'ai fait deux, trois lancers de merde. Et, ah oui, tu perdais. En fait, quand c'est court comme ça, et puis... ils sont très durs, les lancers courts. Très en bas de ligne, là, j'ai 2 mètres de pointe, alors. C'est la plus belle de ce matin. Non, non, c'est plus joli. Bravo, bravo, bravo. L'autre est parti, je suppose. Elle est partie derrière. Mais quand même, la JBNT 54, elle les a quand même bien... Hein, la 54 en hameçon de vin, ça les a bien... On sent qu'ils ne sont pas trop pêchés avec. Thank you.
C'est une truite, ça? Oui, 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 c'est une truite. Oui, oui, elle est belle. Là, là, tu devrais y aller tout de suite, hein. Elle maraude. Oh, que c'est beau. Je vais essayer de la faire en sèche, parce qu'elle monte sur la surface. Par contre, elle est vraiment sous la pellicule. Regarde. Hop là. Là, là, elle a pris une vraie mouche. Une vraie mouche. Ça fait deux fois qu'elle prend une vraie. Enfin, une mouche en surface, quoi. Oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est, là, ces mouches. Je vois celle du haut, mais il me semble qu'il y en a une plus basse. Si, il y en a une plus basse. Là, juste là. Voilà. Ah là là, elle vient. Je sais pas si elle n'a pas pris. Hein. Ouais. Je sais pas si elle t'avait pas pris. En fait, c'est, je la voyais pas, j'ai pas vu bouger, toi. Ouais. Et, ah, voilà, bien. Voilà, elle a pris. Elle avait pris. Ouais. Tu vois, en fait, c'est hyper dur, parce que déjà, elle était dans l'ombre. C'est des petits poissons qui se déplacent, des fois très vite, et puis des fois doucement. Et en fait, quand elles prennent, c'est pas comme les grosses truites, toi, qui ferment, puis là, tranquillement, tu ferres. Là, t'es obligé de... t'as un dixième de seconde pour ferrer. Hein. Ça recrache très, très vite. C'en est une, ça? Oui. Ça y est, je la vois. Ouais, c'est un beau poisson. Là, le nymphe, ouais. Et c'est là quand même, tu la feras peut-être monter, là. Hop là, elle arrête pas, hein. Là, elle va gober. Voilà, elle a gobé. Elle est dans l'ombre, là. Elle est devant nous encore, là. Elle est dans l'ombre. Ah, oui. Elle va renormer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est qu'elle prenne, là? Toujours la même place? Toujours, oui. Elle est venue carrément en bordure prendre quelque chose. Elle est montée un petit peu? Légèrement, oui. Ou alors c'est l'ombre qui se déplace? Là, c'est bien. Là, c'est bien. Wow, refus. Incroyable. Là, elle vient. Refus. Changer de mouche. Profite-en. Voilà, c'est bon. Là, on va savoir. Elle n'en veut pas. Oh. Elle n'en veut pas. Il faut lui poser au moins une fois sur la tête. Là, on va être obligé de les rattaquer en nymphe. Elle bouge pas, en fait. Non. Elle n'a pas branché. Pas du tout. Genre tout doucement, mais... Merde. Elle bouge pas, en fait. Non. Oh, regarde, elle vient de partir. Bah. Ah, regarde. Le truc qui est sur l'eau, qui fait comme un sedge qui drague, là. Mais c'est la première fois que je vois ça. Regarde, il y a un fil qui est... Il y a un fil d'araignée qui est dessus, un fil d'araignée qui est à plus d'un mètre du sol, relié à ça. Et c'est l'air qui le pousse sur l'eau. Et ça lui a fait peur, comme si c'était... Si j'avais fait draguer dessus. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Ah, dis donc. Incroyable. Comme quoi, on apprend toujours quelque chose.
Je disais, mais c'est quoi ce truc? Je croyais que c'était un sedge qui était sur l'eau. Et puis, d'un seul coup, dans le soleil, j'ai vu le fil d'araignée. Ou comme le truc quand il y a les blés, tu sais. Oui. C'est exactement pareil. Bah, dommage, parce que là, j'étais sûr qu'on allait la prendre, celle-là. Dessus là, hop là, elle vient de gober. Attention, hein, elle arrive là, ici. Hop là, oh, elle était belle. On a vu la vis et la dourbie, quoi. Et au niveau de la vis, donc tu m'avais expliqué comment il y a d'abord une petite rivière. C'est ça, t'as une petite rivière en fait qui rentre dans un méandre à vis sec, ça porte le nom, et ça jaillit en fait au moulin de la Fouxe, au cœur du cercle de Navacelles, et t'as la vis qui a creusé ce fameux cirque pour descendre en fait jusqu'à l'Hérault, là où je t'ai pu te montrer, tu sais, à Ganges, là où il y a la confluence. D'accord. Voilà. C'est une rivière très calcaire et très, très transparente, comme tu as pu le voir. Clair, oui. Oui. C'était génial. Ah, elle est magnifique. Hein. Ah oui. Par contre, c'est vrai que techniquement parlant... Ça demande une très grande maîtrise des posées, des posées très délicates. Et tu as des poissons, ils ont de l'électricité dans les nageoires. Il n'y a rien qui pardonne. Et il n'y a que de la truite. Il n'y a que de la truite. Tu as des petits poissons, goujons, vérons, chabots, etc. Et sur la base vis, en dessous de Saint-Laurent-le-Minier, la belle cascade là, tu sais, qu'on a vue là. Oui. Là, ce superbe endroit là, là en dessous t'as encore un petit peu de poisson blanc quand même. Ouais. Mais sinon tout le haut t'as que de la truite, et c'est que de la truite sauvage qui a jamais été croisée ou hybridée. Vraiment de la vis. C'est la truite sauvage de la vis. Donc là on n'a pas vu énormément d'activité, mais il y a des moments où ça peut être euphorique, comme toutes les rivières je suppose. Ah oui c'est ça, t'as des moments où c'est incroyable quoi, c'est génial, et puis après t'as des journées comme on a pu pêcher, où c'était vraiment très dur et où t'as vu que quand on pose sur le poisson, ça pardonne pas, ça quoi. Pardonne pas. Le 10 centième, ouais. Même le 10 centième, elle le voit, donc c'est... Bah, de toute façon, moi je t'ai dit, hein, un 10 centième ou un 8 centième, c'est... Oui, ou c'est un 12 centième, quand tu te poses sur l'eau, l'ombre portée au sol, c'est la même chose, hein. Ça c'est peut sûr. Faire 1 centimètre. Ah oui, mais donc c'est ça, c'est pour ça qu'on pêche beaucoup plus en courbe, bien entendu, quoi. Et la dourbie, donc, en fait, elle démarre... La dourbie, elle démarre beaucoup plus haut, au pied du Mont Aigoual. Et elle descend en fait là par les petites communes. Nous on a pêché quand même la basse dourbie, on va dire, en grande majorité. Et là où on a pu boire des cafés le matin là au bar à Nantes, là c'est là où la rivière se rétrécit un petit peu. C'est des petits parcours un petit peu arborés où tu pêches un peu sous les arbres, c'est sympa. Et puis après tu as ces grands parcours très larges où il y a peu d'eau et où on pêche à vue, où on peut faire des pêches extraordinaires à vue, où c'est vraiment magnifique. Tu es au cœur de ces falaises, tu as les vautours qui te dominent, c'est génial quoi. Oui. Et par contre, ça c'est pareil, maintenant on a des niveaux qui sont relativement bas. Et oui, là ça y est, il faut commencer, à mon avis, plutôt, d'après ce qu'on a vu hier déjà, ah oui. Plutôt démarrer à 5h30, 6h du matin. Exactement. Pêcher jusqu'à midi. Oui. Et puis reprendre la pêche à 19h le soir. C'est ça. T'as le thermique qui se lève à 11h là, et dès que le thermique commence à se lever, tu peux plus pêcher à vue. Alors tu peux encore pêcher en sèche jusqu'à midi. Et une fois qu'il y a les grosses chaleurs, là on est sur du 30-35 degrés. Donc. C'est pas la peine pour le midi 18h, il vaut mieux aller faire la sieste et reprendre sur un coup du soir, quoi. C'est plus intéressant. C'est tu penses que aujourd'hui notamment, même hier, on n'a pas vu les gros poissons? Non, on n'a pas vu les gros poissons, ouais. On en a vu un ou deux, quelques-uns, on a pu les voir, pas, mais il y a très furtif. C'était très furtif. Non, des poissons, habituellement, on voit quand même une plus grosse densité de poissons de 40 cm,
Et puis après, avec un peu de chance, des fois, de temps en temps, tu vois un très très beau poisson. Mais c'est pas comme chez vous où il y a des très grosses truites, c'est pas le même profil de rivière. Oui, oui. Mais là, on a vu le poisson, en fait, la moyenne de poisson, quoi. On a vu l'échantillon représentatif de la rivière. On n'a pas vu la rivière en ébullition, quoi, un joli coup. Moi, par contre, si on revient, avec des conditions comme ça, c'est 5 heures, 5 heures et demie au bord de l'eau. Ah, mais bien sûr. Et oui. Les deux premières heures, tu chasses que des poissons, on va dire, de belle taille. Enfin, tu fais plaisir à pêcher un peu tout, mais il faut être vraiment stratégique hein, là-dessus. Ah, oui. Moi, en ce moment, là, quand c'est cette saison-là, j'ai mon van et je dors au bord de l'eau et je commence aux heures dès le lever du soleil, quoi. Ah, oui. C'est, pour moi, c'est la meilleure période, quoi. Non, mais c'est. De toute façon, on va revenir là, c'est ce qu'on va faire. Hein, oui, on va revenir quelques jours. Je pense. Ah, oui. Surtout qu'on est bientôt à la retraite, alors je veux dire que t'as pas fini de nous voir. Oui, j'ai pas fini de nous voir. Hein. J'ai bien compris. On va se faire chier. Hein. C'est le but. Compris. Parfait, ça me va.